L'état d'esprit joue un rôle essentiel dans la prise comme dans la perte de poids selon qu'il est positif ou négatif. Les dix pensées que je vais vous dire vous aideront à garder un état d'esprit positif pour perdre du poids de manière efficace et durable. Je commence aujourd'hui. Vous n'avez aucune chance d'atteindre vos objectifs si vous ne vous lancez pas. Il faut bien commencer un jour ou l'autre. Bien que demain et lundi soient les jours les plus populaires pour commencer un régime, aujourd'hui, n'est pas mal non plus. Qu'est-ce qui vous retient? Le plus dur? C'est de s'y mettre. Tout le monde a envie de le faire, mais peu sont ceux qui passent effectivement à l'acte. Soyez de ceux là. Commencez avec votre prochain repas. Vous pouvez le faire. Je m'entoure de personnes qui me soutiennent. C'est important parce que ce sont les personnes qui nous sont les plus proches qui ont le plus d'influence sur nous. Entourez vous donc de personnes qui comprennent vos décisions, et qui vont vous aider à vous y tenir. Ne perdez pas votre temps à expliquer les raisons de vos choix à celles qui ne les comprennent pas. Vous avez mieux à faire. Après tout, ce ne sont pas elles qui devront vivre avec les conséquences de vos mauvaises habitudes. Faites ce qui est bon pour vous. Ça, je peux me le permettre. Oui, mais avec modération. C'est là que repose le secret. On a tendance à associer le mot régime avec privation. Il n'y a pas de raison pourtant. Tout est une question d'équilibre. Si vos repas se composent actuellement à 90% de choses qui vous font envie, contre seulement 10% de choses qui sont bonnes pour vous, il vous suffit d'inverser les proportions. Ainsi, vous aurez toujours ces choses qui vous font envie, mais pas en quantité suffisante pour qu'elles vous fassent du mal. Mon poids fait le yo-yo. Il faut s'y attendre en effet. La perte de poids n'est pas un processus linéaire qui évolue de manière constante entre un point A et un point B. Cet effet yo-yo est dû à toutes sortes de variations dans les paramètres. Moins d'efforts physiques, une alimentation un peu plus riche, des troubles du sommeil, etc. Vous passez dans votre vie par des hauts et des bas qui se répercutent sur la balance. C'est pourquoi il est plutôt conseillé de surveiller votre perte de masse graisseuse. C'est un indicateur bien plus fiable que le poids. Ma santé est ma priorité. On peut commencer un régime pour toutes sortes de raisons. Il n'est pas question de dire lesquelles sont valables et lesquelles ne le sont pas. Elles le sont toutes. Mais au final, le plus important, c'est d'être en bonne santé. En modifiant votre hygiène de vie dans son ensemble, vous allez très vite découvrir que vous perdez naturellement du poids. Patience Tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous avez mis des mois, voire des années, à accumuler ce petit embonpoint qui vous gâche la vie. Vous n'allez pas le perdre en un claquement de doigts. La bonne nouvelle, c'est qu'il va disparaître par là même où il est arrivé votre hygiène de vie. Quelques modifications, et il ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Soyez patient et régulier dans vos efforts. Je peux le faire. C'est sûr que si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Mais à ce stade, vous avez déjà décidé de vous y mettre, n'est ce pas? Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'effacer les mots je n'y arriverai pas de votre vocabulaire. Vous avez déjà accompli tant de choses dans votre vie. Pourquoi pas celle-là Le plus dur est derrière. N'abandonnez pas. Une fois que votre nouvelle routine quotidienne sera bien en place, le plus dur sera passé. Après, ce sera comme vous brosser les dents ou aller au travail. Rien de plus que des habitudes. Je contrôle mon corps, pas l'inverse. Bien sûr, les premiers temps, votre corps va réagir, et peut-être pas de la façon que vous espérez. Mais n'oubliez pas que c'est la raison qui l'emporte, et la raison, c'est vous qui la contrôlez. J'ai déjà fait pas mal de chemin. Regarder vers l'avant permet d'avancer. Mais quand on voit tout le chemin qu'il reste à parcourir, cela peut aussi être décourageant. Essayez un peu de regarder en arrière et contempler le chemin que vous avez déjà parcouru. C'est gratifiant, n'est-ce pas Et si vous en avez déjà fait autant, ce n'est certainement pas pour vous arrêter maintenant, si tout ce que vous avez fait et êtes en train de faire est sans doute plus que vous n'auriez imaginé. Vous pouvez être fier de vous. Continuez comme ça, votre objectif est en vue.